Je suis Simon et je suis informaticien dans l'équipe Maillage. Un maillage, c'est la version informatique d'un objet 3D réel. Le maillage, il va servir aux physiciens, numériciens, pour leur simulation numérique. Donc quand on veut simuler des phénomènes physiques ou mécaniques, on va utiliser des maillages pour ensuite pouvoir les mettre sur des ordinateurs et laisser les ordinateurs calculer sur les objets en fait numérisés. Je suis Héloïse, je suis informaticienne et je travaille dans l'équipe visualisation. C'est une équipe qui va permettre d'aider les mathématiciens, les physiciens à pouvoir visualiser, c'est-à-dire voir leur simulation. Du coup, moi, ma formation, j'ai fait un master en informatique et puis après, j'ai fait une thèse sur les supercalculateurs. Ma formation, c'est un master en informatique et ensuite une thèse ici au CEA. Mon quotidien, c'est donc de développer, donc de réfléchir à des nouvelles fonctionnalités. Notre occasion de sortir des bureaux, de nos bureaux informaticiens, c'est d'aller voir les utilisateurs, de discuter avec eux, donc pour les former ou éventuellement pour avoir des retours sur les outils. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir discuter avec différentes communautés de personnes. Tous les utilisateurs qui sont de différentes communautés, soit des physiciens, des mathématiciens, etc. Et j'ai aussi pas mal de collaboration externe. Par exemple, on a une collaboration avec des homologues américains. Quand on m'a proposé de venir dans une équipe qui, non seulement, du coup, travaille ensemble, mais qui, en plus, doit communiquer avec plein d'autres équipes sur différents domaines, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion. Ce qui m'a fait choisir le CEA, c'est le travail en équipe. Et il y a le côté aussi très développement et recherche. C'est assez rare d'avoir vraiment les deux en parallèle. Le grand avantage du CEA, c'est qu'on a les moyens techniques de l'industriel tout en ayant les possibilités de recherche de l'académique.